Abonso ketakab de Charles le Téméraire n'est plus celui de la magnificence qui avait caractérisé le gouvernement de son père, Philippe le Bon, mais celui de la majesté, au sens que ce mot pouvait alors avoir. La majestas désigne la qualité de celle ou de celui qui est le plus grand, maior, et qui, en vertu de cette supériorité, lui confère la légitimité, auctoritas, et l'importance, gravitas littéralement le poids, nécessaire à l'exercice de son pouvoir. La majesté, considérée en ce sens, renvoie à la notion de grandeur, prise non plus en une signification relationnelle, mais en une signification hiérarchique. Elle est, dès l'Antiquité, ce que certains historiens ont pu appeler l'institution de la distance politique. Rien n'est opposable ou comparable à la majesté sans que ne soit prise en compte le risque de commettre un crime de lèse majesté. La magnificence suppose du prince qu'il affiche son rang en faisant resplendir sa grandeur et sa libéralité, en instaurant une relation directe avec celles et ceux auxquels il s'adresse et en leur donnant quelque chose de lui-même. On l'a vu avec Philippe le Bon. À cette hiérarchie horizontale et comparative de partage, la majesté oppose une hiérarchie verticale et superlative de distinction. Si Charles le Téméraire rompt avec la famille de France et la maison des Valois dont il est pourtant issu, il a constamment cherché à se faire couronner et en l'absence d'une telle distinction, a affiché les signes du pouvoir royal. Il affirme à qui veut l'entendre qu'il descend en directe ligne du roi Charlemagne, à la différence du roi de France, pour l'usurpation du Capet. Quand il se présente au Gantois, à Bruxelles, aux ambassadeurs français, à Saint-Omer en 1470, s'est assis sur un trône, juché, juché au sommet d'une estrade de cinq marches, sous un dais de majesté. C'est le terme que l'on utilisait à l'époque. Et comme nous le verrons, lorsqu'il décide en 1467 de rendre hommage à Saint Lambert en faisant un don à sa ville de Liège, c'est en affichant sa propre effigie, protégée par Saint-Georges, et fondue dans plus de cinq kilos d'or et d'argent. Pour être acceptée, la majesté a, a par ailleurs besoin d'être reconnue. Sa puissance effective réside dans sa représentation, dans sa mise en scène. C'est la raison pour laquelle, tout comme la magnificence, elle requiert des artistes, de leurs efforts et de leurs œuvres pour la rendre visible, même si ce n'est pas sur les mêmes principes qui la guident, ni sur les mêmes effets qu'elle recherche, comme l'explique Léon Battista Alberti une nouvelle fois. De même, en effet, que chez un prince, la rareté des paroles donne la majesté, majestatem, dans la mesure où l'on comprend ses désirs et ses ordres, de même, dans la représentation d'une histoire, un nombre approprié de corps confère de la dignité, dignitatem. Pour Alberti, la majesté est une réponse à une magnificence excessive. Elle demande aux artistes d'envisager une manière de penser et de pratiquer leur art dont il sera question. Dans le cadre de ce cours, qui sera articulé autour de trois grands principes de la majesté artistique, tels qu'elle a été mise en valeur et mise en œuvre par les artistes néerlandais ayant œuvré sous Charles le Téméraire. La force, la simplicité et la distance. Parce qu'elle caractérise, je cite ici Élodie le, dit, le des jardins l'éminence du pouvoir politique à l'intérieur d'un ordre pensé comme nécessairement hiérarchisé, la majesté est d'abord et par définition une puissance hégémonique, reposant sur un rapport de force établi entre l'individu ou l'œuvre magnifique et ses spectateurs. L'un des meilleurs exemples de ce rapport de force que peut constituer une œuvre d'art est, je viens de l'évoquer, le reliquaire de Charles le Téméraire. Le 28 octobre 1467, le duc de Bourgogne obtient une victoire importante contre les troupes des rebelles liégeois à Brusten. Il entre dans la ville et rend hommage aux reliques de Saint-Lambert, annonçant vouloir faire un don, je cite, à Monseigneur Saint-Lambert. Il fait alors appel à l'orfèvre Gerhard Loyette, qu'il paie en décembre pour une image d'or. L'œuvre est conçue comme un ex-voto. Offert par le duc en échange de la protection dont il a bénéficié du saint, qui depuis le début du VIIIe siècle est considéré comme le propriétaire spirituel des terres liégeoises. Le projet initial devait ne comporter que la statue du duc agenouillé, près du maître-autel de la cathédrale Notre-Dame et Saint-Lambert, face aux reliques du sang. Mais la reprise des hostilités avec Liège en 1468, suivie du saccage de la ville par les troupes ducales, Contraint Charles à changer ses plans. En 1469, il décide de faire don d'une nouvelle relique de Saint-Lambert à la cathédrale liégeoise en l'enchassant dans une autre version de la pièce conçue par Loyette. Désormais, le haut socle oblong porte deux figures. La première est celle de Charles le Téméraire, agenouillé sur un coussin d'émail translucide bleu. Portant le collier de la toison d'or, Ayant déposé son aume et ses gantelets en signe de respect, il tient la relique du doigt de Saint-Lambert. La seconde figure est celle de Saint-Georges, traditionnellement associée à la maison de Bourgogne. Cette iconographie singulière fait de l'œuvre l'instrument d'affirmation du pouvoir politique du duc sur Liège, comme le confirme sur les faces du socle la présence de sa devise « Je l'ai entrepris » ainsi que des initiales de son prénom et de celle de Marguerite York, son épouse, depuis le 3 juillet 1468. Vous trouvez ici le C de Charles et le M de Marguerite. La pièce d'orfèvrerie fabriquée par Réginald Loyette pèse plus de 5 kg, donc 2,113 kg d'argent et 2,946 kg d'or. Ce poids et cette richesse ne sont pas étrangers à l'effet que la Majesté peut. Et doit produire sur le spectateur. La gravitas, qui on l'a dit fait partie des qualités associées à la majestas, renvoie aussi bien aux caractéristiques d'un objet lourd, pesant, qu'aux spécificités d'un comportement vertueux, marqué par la dignité solennelle et la rigueur morale. Parmi les artistes néerlandais de la jeune génération, Uro van der Hoos est sans doute celui qui a le mieux compris la nécessité d'accompagner cette nouvelle demande de majesté et de gravité. De l'invention de nouvelles formes. Probablement né à Gand vers 1440, ce peintre y est documenté comme maître en 1467, devenant en quelques années une figure essentielle de la Guilde des peintres, entretenant des relations privilégiées avec des artistes dont on reparlera, comme Jos van Wassenhove ou Alexander Bening, qui épouse probablement sa sœur. Au milieu des années 1470, van der Hoos fait le choix de devenir frère lait entrant dans l'abbaye augustinienne de Rouge-Cloître, à l'orée de la forêt de Soigne, près de Bruxelles, où son demi-frère officiait déjà comme moine. Si l'on en croit le témoignage de Raspar of heus qui rejoint le monastère en 1475, Van der Hoos était, je cite, si célèbre dans l'art de la peinture qu'en deçà des monts des Alpes, comme on disait, on ne trouvait en ce temps-là personne qui fût son égal. Fin de citation. Malgré une santé mentale déclinante, le peintre semble en effet continuer de peindre après son entrée dans le monastère, acceptant la visite de ses admirateurs et recevant de nombreuses commandes néerlandaises ou étrangères. Commandé par Tommaso Portinari pour sa chapelle familiale, un agent florentin travaillant dans les Pays-Bas pour les Médicis, le célèbre triptyque de l'adoration des bergers, dit triptyque Portinari, fait partie des commandes les plus prestigieuses, mais aussi des œuvres les plus représentatives de Van der alors qu'un grand nombre de ses prédécesseurs et de ses confrères présentent l'adoration des bergers comme une scène de joie, le peintre organise le contenu iconographique et formel de son retable autour des thèmes de l'épiphanie et du sacrifice du Christ. Si les trois bergers accourent avec empressement jusque dans les tables, le contraste est saisissant avec le reste de la composition, dominé par des figures impassibles, ou dont les traits et les gestes trahissent une déférence mêlée de tristesse face à un spectacle d'un enfant qui, à peine né, est déjà destiné à être sacrifié. Tandis que la palette chromatique, marquée par des contrastes frais, frais, forts entre les clairs et les sombres, renforce encore cette impression de sévérité dramatique de la scène. Cette gravité dramatique est également le maître mot de la plupart des premiers tableaux religieux d'un autre peintre de la même génération. Après avoir peut-être reçu une première formation à Cologne, dans le Saint-Empire, Hans Memling entre probablement dans l'atelier bruxellois de Rory van der Weyden avant de s'installer à Bruges, où il est documenté en janvier 1465 sous le nom de Jan van Memling. Avant même d'être officiellement inscrit à la Guilde des Peintres, 1467, il obtient très tôt un nombre important de commandes, probablement principalement issues des élites locales et internationales, des familles aristocratiques et des hommes d'église, mais surtout des marchands, des politiques et des banquiers, parmi lesquels on retrouve Tommaso Portinari, qui commande à Memling les scènes de la Passion du Christ, qu'on reverra dans un instant, ou Angelo Tani, qui l'avait précédé à Bruges comme agent de la Banque des Médicis, entre 1450 et 1464, et pour lequel Memling peint son triptyque du Jugement Dernier, destiné à la chapelle Saint-Michel de l'église conventuelle de Fiesole, près de Florence. Ce retable rend explicitement hommage à Van der Weyden, auquel Tani avait initialement pensé confier la commande avant la mort du maître en 464, et dont Memling reprend ici la composition du jugement dernier. S'il si est fidèle au goût pathétique de son maître, notamment dans la manière dont sont exprimés l'effroi et les souffrances endurées par les damnés dans la partie droite de la composition, opposés au calme serein des élus, même ligne accentue le caractère dichotomique de la composition en donnant au spectateur le choix de diriger ses yeux vers le paradis ou vers l'enfer. Attiré par les deux grandes figures du Christ et de Saint-Michel, qui scandent l'axe médian du panneau central, le regard a la possibilité de se diriger vers les parties supérieures ou inférieures. Les anges accompagnant la déisis et l'assemblée des apôtres se transforment. En musicien au-dessus du paradis, ici, et vengeur dans le ciel des enfers. Dans le registre inférieur, les morts sortent de terre avant d'être placés sur les plateaux de la balance de Saint-Michel, tandis qu'un ange et un démon se disputent un homme. Ici. Les élus, aux corbeaux et aux attitudes sereines, sont accueillis par Saint-Pierre qui les aident à gravir les marches du paradis les damnés le visage déformé par la peur ou la douleur sont laissés à leur propre sort dans les ténèbres de l'enfer chutant dans des flammes incandescentes ou emportés par des monstres cruels pour d'autres peintres contemporains par ailleurs la construction visuelle de la majestas passe davantage par la mise en valeur de l'auctoritas du pouvoir c'est-à-dire de la légitimité conférée au présent par le passé Plutôt que de la seule gravitas. La visite de Philippe le Bon à Jean Vauclin, peinte par Loisel Yedet, pour les Chroniques de Hainaut, en est une parfaite illustration. Pour le peintre artésien, en effet, il s'agit d'achever le travail interrompu par la mort de Philippe le Bon par plusieurs artistes, comme Roger van der Weyden, à la demande de Charles le Téméraire qui peut ainsi honorer une volonté de son père et s'inscrire dans sa directe filiation. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas le nouveau duc de Bourgogne qui apparaît dans cette miniature, mais son père, rendant visite à Jean Vauquelin, le traducteur français des chroniques. La manière assez conservatrice du peintre est à l'avenant, cherchant à capitaliser sur les conventions de l'enluminure amiénoise et brugeoise, plutôt qu'à les réinventer. Pour les artistes qui viennent d'être évoqués, la fabrique de la majesté passe par une certaine forme de sévérité, de gravité et de continuité en termes iconographiques et plastiques. La force que cette majesté doit imposer au spectateur peut toutefois prendre d'autres formes plus innovantes. Dans le sillage des premières œuvres du Hof von de Roos, de nombreux peintres néerlandais font aussi le choix d'œuvres plus énergiques, marquées par le dynamisme des figures ou le goût des contrastes. Marqué par un illusionnisme particulièrement achevé qui le relie au maître de la génération précédente, le retable de Montfort, est néanmoins tourné vers le spectateur, à l'image de l'enfant Jésus qui semble négliger la présence de Melchior pour diriger son regard vers nous. Le but explicite de Van der houss est de frapper le plus directement et le plus fortement possible les émotions des dévots, non point par le jeu des expressions faciales, qui dans le sillage de Dirk Bouts présente une étonnante neutralité, mais par la narration visuelle qu'il propose de l'histoire, réduite en un instant. Si l'encadrement de la scène principale par des petites scénettes rappelle les procédés, euh, les procédés qui, euh, qui ont été employés par des artistes comme le maître de Mancel, Simon Marmion ou Hans Memling pour construire des récits séquentiels, le retable de Van der Hoos ne propose pas une narration simultanée. Au centre, les deux bergers, euh, qui sont euh, la femme accompagnée de son enfant, le troupeau de moutons que l'on voit donc ici, évoquent le moment où les bergers reçoivent la nouvelle de la naissance du Christ sans pour autant faire directement référence à cet épisode puisque ni l'ange du seigneur ni l'astre à l'orient suivi par les rois mages ne sont représentés. De même, la partie gauche nous montre une partie du cortège de rois mages sans que ceci soit représenté une seconde fois. Van der Hoos cherche en réalité à contextualiser l'histoire principale de son retable en détaillant la manière dont le cortège arrive vers les tables, entre par l'arrière-plan longe le panneau de bois Contourne le bâtiment avant d'y pénétrer par la droite. Ce récit visuel, la décomposition du mouvement des trois ramages, hein, vous voyez qu'ici on a un ramage qui est debout, un second qui semble s'agenouiller et un troisième qui est agenouillé, comme s'il y avait la décomposition du mouvement des de trois figures, amplifie les maigres indications livrées par saint Matthieu, je cite Étant entré dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Et ayant ouvert leur trésor, ils lui offrirent des présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Van der Roos offre aussi au retable une véritable unité visuelle, à une composition dont toutes les parties sont rigoureusement articulées les unes aux autres et à laquelle le peintre confère un grand dynamisme, puisque tout est fait pour restituer l'empressement joyeux des rois mages à découvrir le roi des Juifs tandis que la coiffe rouge de Gaspard semble sur le point, le, plein, le point de glisser de sa tête, vous le voyez, elle semble presque tomber de sa tête, emportée par son mouvement, Balthazar a laissé tomber son épée, qui semble comme flotter dans les airs. D'autres œuvres plus tardives de Van der Hoos confirment cette volonté de dynamisation des compositions, qui est assez discrète, on l'a vu dans le triptyque de Portinari, mais qui se manifeste dans le retable de Montfort par des choix narratifs audacieux ou dans La mort de la Vierge, qu'il peint entre 1472 et 1480, à la demande de Jan Krabbe, 26e abbé de l'abbaye des Dunes à Coxide, entre Dunkerque et Ostende, ici par un jeu saisissant de contrastes expressifs. Si elle est directement dérivée d'une estampe gravée par Martin Schongauer quelques années plus tôt, la composition de ce tableau repose en effet sur une opposition tranchée entre d'une part le corps inerte de la Vierge et l'attitude sereine et triomphante du Christ, et d'autre part les signes de tristesse et de désespoir montrés par les apôtres participant à la veillée funèbre autour de Saint-Pierre qui officie comme un prêtre. Jouant du resserrement angoissant du cadre autour des figures, à la manière de la descente de croix de Van der Weyden, Van der Hoos traite chaque figure comme s'il s'agissait d'un portrait individualisé, variant systématiquement l'attitude de chaque corps et les traits de chaque visage. L'ouverture du premier plan et la position d'un des apôtres, nous fixant directement du regard, tout en posant les mains sur une Bible, confirme que la volonté de Van der Hoos est bien de faire entrer le regard du spectateur dans l'image, en lui demandant de participer à la scène déploration en y engageant sa dévotion et ses émotions. Parmi les peintres ayant imité le plus tôt les nouvelles propositions formelles du roi van der Hoos, figure Philippe de Mazerolles. Qui a longtemps été connu sous le nom de Convention de Maître du Harlay-Froissart. Pendant longtemps, les historiens de l'art ont considéré qu'il avait importé à Bruges, je cite, une manière française, et qu'il était resté insensible aux évolutions formelles de la peinture néerlandaise. Cette affirmation ne peut plus être retenue aujourd'hui. Une partie de la culture visuelle engrangée par Mazerolles à Paris lui vient de sa fréquentation des artistes néerlandais directement marqués par des artistes néerlandais. Je vous renvoie au cours que nous avons consacré au, à la colonie d'enlumineurs néerlandais à Paris. Le caractère stéréotypé de ces figures l'éloigne d'ailleurs de Jean Fouquet dont il a été abusivement rapproché. En s'installant dans les Pays-Bas, il est donc en terrain connu, mais il fait sensiblement évoluer sa manière. Son intérêt pour les espaces intérieurs correctement construits d'un point de vue perspective, même s'ils ne sont pas parfaits, mais disons qu'ils sont... Construit de façon assez logique et assez cohérente, des intérieurs qui sont parés de sols géométriques et de meubles luxueux, détonnent avec ses confrères en lumineurs, mais rencontrent un goût solidement implanté dans la peinture sur panneaux. Mais l'expression du mouvement est ce, ce qui suscite sans doute son intérêt principal. Dans son bal des Ardents, il insiste, comme Van der Roos dans le retable de Montfort, sur un instant bien précis le moment où le costume d'hugonin de guizet et de ses compagnons s'enflamme tandis que le serviteur maladroit quitte la scène l'air emprunté et la torche éteinte je ne peux pas m'empêcher quand je regarde cette enluminure de lui trouver un caractère un peu comique dans la manière dont philippe de mazerolles représente la manière donc dont ce, ce serviteur maladroit semble quitter la scène sur la pointe des pieds c'est ce moment de bascule narrative qui intéresse ici le printre tandis que de jeunes femmes claquent encore des mains au rythme cadencé des musiciens à gauche, et que les ducs du Berry et de Bourgogne regardent presque placidement la scène, l'attitude de la reine au centre de l'estrade indique qu'elle vient de se rendre compte de ce qui est en train de se dérouler. Pour Philippe de Mazerolles, comme pour Hugo von der Roos, un dernier moyen de conférer de la vie et de l'expressivité à leurs compositions et à leurs figures, est de privilégier une touche moins léchée, plus visible, que chez les maîtres néerlandais de la première moitié du XVe siècle. Dans son tip de Vienne, la couche de peinture utilisée par Van der Hoos est si fine qu'il est possible de déceler à l'œil nu le dessin sous-jacent. On ne peut pas le voir sur ces images, mais si vous allez à Vienne, vous pourrez constater qu'effectivement, euh, c'est le cas. C'est le cas, par exemple, au niveau des pieds d'Adam. Je ne peux pas forcément le voir sur ces images, mais. On voit assez clairement le, la préparation. Vu de près, les corps sont modelés par de nombreuses petites hachures colorées qui animent les surfaces, structurent les contours et disposent les ombres portées. On le voit un petit peu, ces hachures au niveau de l'ombre ici sur le, la poitrine du Christ. Cette finesse de la couche, cette vivacité de la touche témoigne de la vitesse d'exécution du peintre, qui refuse à son œuvre les teintes porcelainées. Qui caractérise bon nombre des œuvres de ces modèles et cherche à unir dans la même expressivité les figures et les paysages avec lesquels elles entrent directement en correspondance. Ces techniques se retrouvent chez un grand nombre de peintres enlumineurs de la jeune génération, notamment à Gand, où Rousse, a effectué, je l'ai dit, la première partie de sa carrière. Dans le sillage des recherches lancées quelques années plus tôt par les maîtres de la chronique d'Angleterre et du Vavrin, L'annonce des bergers du maître des miniatures Afton est l'un des premiers exemples de paysage urbain et naturel traité sous la forme d'un nocturne. On a déjà vu quelques nocturnes précédemment notamment chez les frères de Limbourg, mais là on a affaire à un paysage urbain et naturel traité de nuit. Le peintre y montre un sens aigu de l'observation, notamment dans la manière dont il rend compte des différents degrés d'obscurité de la nuit. Les ténèbres y semblent éclairées par l'apparition angélique dont émane une lumière éclairant les branches et le tronc de l'arbre ainsi que la colline sur laquelle veillent les bergers, conformément aux indications bibliques. Alors que dans la peinture néerlandaise de la première moitié du XVe siècle, le sujet de la nativité est souvent associé à celui de l'annonce des bergers, représenté généralement à l'arrière-plan, le maître fait le choix inverse. La bâtisse en ruine sur laquelle tombe du ciel une pluie d'anges dorés, est sans doute l'étable de Bethléem, vers laquelle les bergers s'apprêtent à se précipiter. Donc ici, on voit que c'est un renversement de la hiérarchie entre le premier plan et l'arrière-plan. Cette fois-ci, on représente la nativité et l'étable à l'arrière-plan, et ce sont les bergers qui le représentent au premier plan. Le tout est traité avec un grand sens du dynamisme. Le corps large et trapu des figures est animé de gestes puissamment expressifs, souvent en suspension ou en équilibre. On voit le petit chien qui euh, semble courir, s'élancer se, dans les airs. Quant à la touche, vive et précise, elle est animée de hachures d'une grande variété qui permettent au peintre de détailler les matières, toison des moutons, fourrure du chien, barbe et cheveux des, des bergers, mais aussi de nuancer les passages chromatiques à l'image des nuages clairs, plus clairs que l'azur du ciel, ici, petite trace, ou des, des reliefs environnants. Certaines parties, comme les nuées du coin supérieur droit, ici, laissent même voir la trace du pinceau. À Bruges, le goût pour la touche vive est plutôt à mettre en relation avec les modèles toujours prégnants de Willem Frélant. De bons exemples de... en sont les peintures du maître d'Edouard IV et du maître du Froissart du Getty. Contrairement à Juro van der Hoos, le maître d'Edouard IV, ne transcrit pas l'énergie de ces personnages à travers l'expressivité de leur visage ou de leur corps, plutôt stéréotypés et assez caricaturaux, et par le rendu des matières, où sa touche, vive, on le retrouve notamment dans ces petites touches, traces de pinceau hein, qui brossent rapidement les effets de reflets lumineux sur la robe, ici par exemple, fait notamment merveille dans le traitement de la végétation, des reflets de, sur l'eau, qui l'anime de minces fils de couleur blanche, ou des vêtements, qu'il dynamise en superposant des petites hachures de couleurs. Par la majesté, un individu ou un objet est capable d'imposer un sentiment de force. Mais cette puissance ne repose pas exclusivement, comme c'est le cas pour la magnificence, sur des qualités d'abondance et de variété. Comme l'explique Leon Battista Alberti, on l'a vu, la majesté se caractérise aussi par une certaine dignité, qui, pour une œuvre d'art, Prend d'abord la forme de la plus grande simplification possible, tant du point de vue de la composition que du coloris ou du rapport au spectateur. Dans ce domaine, Jorge van der Weyen avait joué un rôle pionnier en privilégiant des compositions plus aérées où des vides et des repos étaient aménagés pour l'œil. Même après sa mort, de nombreux peintres s'inspireront de ces solutions formelles, comme le Maître d'Ambirle, un peintre au groupe de peintres néerlandais, qui doit son nom à un grand retable conservé dans l'église paroissiale Saint-Martin d'Ambirle, au nord-ouest de Lyon, et centré autour de la vie du Christ. Destiné à orner l'église après sa reconstruction, cette œuvre a été probablement commandée par Michel de Chogy, alors conseiller de Philippe le Bon à Van der Weyden, avant que la mort du Maître en 1464 ne conduisent un ou plusieurs membres de son atelier à en achever l'exécution en 1466. Les panneaux peints sont d'ailleurs typiques du peintre bruxellois avec leur paysage continu à l'horizon élevé qui permet de conférer une unité à l'ensemble du retable, mais aussi en ménageant des espaces vides de contraster avec l'aurore vacuée, l'aurore du vide qui caractérise la partie sculptée. Parmi les peintres néerlandais plus jeunes, nombreux sont ceux qui favorisent et amplifient encore ce goût de la simplification compositionnelle, à l'instar de Jos van Vassenhove ou du maître de traité de morale. Je commencerai par Jos van Vassenhove, qui est documenté à Anvers en 1460, puis à Gand en 1464, et qui entretient des relations amicales avec Uro van der Hoos ainsi que le peintre enlumineur Alexander Benning, que j'ai cité tout à l'heure. Une des premières œuvres qui peuvent être attribuées à Van Vasselhove est le retable de la crucifixion, qui révèle les dettes du peintre à l'égard de ses aînés, en particulier de Jan van Eck. On peut penser notamment au cheval blanc du panneau central, qui paraphrase un des chevaux du retable de la nuit mystique. Jorge van der Weyden, à travers la Vierge évanouie, de la décembre, qui fait référence à celle de la descente de croix de van der Weyden. Et Dirk Bautz pour la retenue expressive de la plupart des figures. D'autres aspects de son œuvre, toutefois, la relient aux recherches contemporaines, comme son traitement de l'espace. L'arrière-plan n'y est plus un simple fond ornant les premiers plans où l'histoire est représentée, mais un élément essentiel dans la construction narrative et dans l'équilibre de l'image. Dans La récolte de la manne, par exemple, le chemin zigzagant entre les rochers. Donc, permet de caractériser le désert décrit dans le livre de l'Exode, mais aussi la foule du peuple d'Israël, sans surcharger la scène principale, où Moïse est reconnaissable à sa barbe fendue, écoutant les paroles de Yahvé, qui lui apparaît sous la forme d'une nuée. et tient donc un bâton plongé dans l'eau, qui fait probablement référence à l'épisode suivant du frappement du rocher. Le même procédé est utilisé pour les épisodes du serpent d'airain et de la crucifixion. Et on retrouve ces solutions plastiques adoptées chez un autre peintre sur lequel je n'aurais pas le temps de m'apesantir, le maître des traités de morale. L'efficacité visuelle de ces œuvres tient aussi au choix d'un horizon relativement haut qui permet de donner le sentiment au spectateur qu'il domine les scènes représentées et peut voir en un coup d'œil une grande portion d'espace. Ce procédé est abondamment utilisé par les peintres de la jeune génération, qu'il s'expriment dans de grands ou de petits formats. Chez le maître de la Sibylle de Tibur, l'élévation de l'horizon contribue grandement à la lisibilité de son œuvre, avec la réduction de la palette chromatique et le relatif dépouillement ornemental des vêtements, à l'exception évidemment de la figure de l'empereur Auguste. Dans le tableau qui lui a conféré son nom de convention, les lignes de fuite qui peuvent être tracées à partir des bâtiments convergent parfaitement en un point central, à peu près placé euh, ici situé au niveau des collines de l'arrière-plan sur un horizon relativement haut qui permet au spectateur d'avoir une vue claire de la scène, mais placé juste en dessous de la figure de la Vierge qui semble donc vue d'ici dessous. Cette maîtrise de la construction spatiale se retrouve dans la manière dont le paysage structuré par une alternance de collines, de rochers et de chemins crée le sentiment de la profondeur par une dégradation très progressive des teintes brunes du premier plan vers l'horizon bleu pâle. Chez Jean Baugier, identifié au maître de Ramburès, le choix d'un horizon élevé s'applique aux paysages comme aux scènes intérieures, à l'image de cette belle enluminure représentant trois vertus entourées de nobles femmes, peinte pour illustrer un célèbre livre de Christine de Pisan. Même si le peintre y montre sa parfaite assimilation des modèles de Van der Weyden, sans doute à travers ses imitateurs, Beugier montre un grand intérêt pour les compositions simples et épurées. Ces figures présentent un caractère répétitif, schématique, notamment visible dans le traitement des têtes, légèrement disproportionnées, des corps trapus et des drapés assez grossiers, étonnamment réduits à quelques lignes brisées, qu'on voit ici notamment. Mais sa maîtrise de la perspective est remarquable, même si dans les parties latérales de ses compositions, les lignes de fuite tendent à s'écarter du point de fuite central placé, vous le voyez, sur un horizon très haut, en fait en dehors de l'espace de l'image, euh, et qui permet de renforcer le creusement de la profondeur par une position de surplomb du spectateur. Sa palette, enfin, où trois teintes sont souvent privilégiées, un rouge relativement terne, un vert mat et un bleu profond, ne tend, ne tend pas vers une harmonisation générale, mais plutôt vers la mise en relief des figures et des motifs principaux. Pour d'autres artistes, l'épuration de la composition passe enfin par une simplification des formes, dont l'art d'Adrian van Wesel est une parfaite illustration. Si le sculpteur utrechtois accorde une grande importance à l'individualisation expressive des figures, dont les visages, les coiffures, les vêtements, les attitudes sont systématiquement diversifiées, afin de conférer aux scènes qu'il dépeint la plus grande variété possible, son attention se concentre généralement sur la schématisation quasi géométrique des formes, quand il évacue tous les détails inutiles et les drapés trop complexes pour les réduire à quelques plis fluides. Dans sa Mort de la Vierge, le rendu de l'instant où Marie rend son dernier souffle est ainsi dramatisé par l'expression de la Vierge, les yeux et la bouche entrouverts, mais aussi par l'attitude des apôtres autour de Saint Pierre, qui bénit une dernière fois la mère du Christ. Les apôtres forment un cercle où toutes les réactions semblent représenter. Le désespoir, l'attention, le recueillement ou encore la volonté de voir par-dessus, ici vous le voyez, par-dessus l'épaule d'un frère. Deux figures matérialisent particulièrement ce moment de bascule, cette tension narrative, si l'on veut utiliser une expression utilisée par. Euh, euh, par, je cite de mémoire, je ne sais plus, un spécialiste de narratologie qui se trouve à Lausanne, ça va m'en revenir peut-être tout à l'heure, pour parler donc de, de ces moments de suspense de narratif. Euh, l'apôtre barbu à la longue chevelure ondulée qui s'apprête à prendre la bougie avant qu'elle ne tombe des mains de la Vierge, premier effet de tension narrative, et l'apôtre encapuchonné qui balance l'encensoir dans les airs. L'encensoir ici est représenté en suspension dans les airs. Raphaël Baroni, voilà, je retrouve le nom de mon collègue de Lausanne. Ces efforts de simplification ne concernent pas seulement la composition, mais le coloris, auquel les peintres néerlandais du deuxième tiers du XVIe siècle accordent une importance croissante, comme le montrent notamment les deux volets conservés du triptyque du Jugement dernier, peint entre 1468 et 1470 par Dirk Bouts, pour l'hôtel de ville de Louvain. 1468, afin d'illustrer la justice divine, parallèlement à la justice des hommes que le peintre exemplifiera dans sa Justice Toton III. C'est une représentation de la justice de Dieu. Il nous manque évidemment le jugement dernier central, le panneau central. On n'a ici que les deux volets. Dans ces deux tableaux, c'est en effet par le coloris et le paysage que l'expression générale est essentiellement prise en charge. L'opposition est nette. Entre la palette chromatique de l'enfer, sombre, contrastée, réduite à un camaïeu de brun, hein, qui nous fait penser à un artiste que l'on reverra un peu plus tard, Hieronymus Bosch, et les teintes du paradis, claires, harmonieuses et diversifiées. La transparence apparente de l'air y permet non seulement à Bautz d'entrer à la manière de Van Eck dans le rendu minutieux des fleurs, des herbes, des rochers ou du manteau de brocart de l'ange, mais aussi de développer les différents plans d'un paysage. Idyllique. Il s'agit de donner envie au spectateur d'entrer dans un tel paysage en tournant le dos de l'ange et d'une partie des élus pour accompagner le regard vers l'arrière-plan. Dans l'enfer, en revanche, les ténèbres semblent troublées jusqu'au regard du spectateur qui n'aperçoit tout autour de lui que rochers, lacs sombres et incendies aussi repoussants que monotones et qui dressent des barrières infranchissables devant l'horizon comme si notre regard était en quelque sorte rejeté. Hors de l'image. Le même constat prévaut pour la manière dont les figures sont insérées dans la composition. Se détachant puissamment du fond par un clair-obscur très violent, les damnés sont en quelque sorte enchevêtrés, prisonniers d'une masse informe de corps humains et monstrueux volontairement illisibles. Les élus, en revanche, marchent du même pas en suivant celui de l'ange qui les conduit tous à la même destination, la fontaine de vie. Qui trône au centre du jardin d'Éden. La simplification chromatique peut également prendre chez certains confrères de Bautz la forme de nouvelles expérimentations autour de la grisaille ou du nocturne. Nombreux ont été les peintres néerlandais à faire appel aux techniques de la grisaille ou de la demi-grisaille, des premiers modèles de Bonneveu, de Bondol, de jacques de Hédin, jusqu'au maître du cycle de l'enfance Morgane ou du maître de grisaille d'Actoise. Puis aux volets extérieurs des retables peints à partir des Van Eyck et de Van der Weyden. Durant le, second tiers du, le deuxième tiers du XVe siècle, la grisaille connaît un regain de vigueur sous le pinceau de jeunes artistes désireux d'en tirer de nouvelles ressources chromatiques. Chez le maître des grisailles Fleur de Lisée, l'usage de la semi-grisaille, donc un mélange de grisaille et de quelques touches de couleur, permet de conférer de l'unité et de la lisibilité aux scènes dépeintes en réduisant leur palette. Un ensemble d'échos chromatiques rigoureusement choisis. D'autres artistes font des choix plus radicaux encore et de pousser à bout les possibilités offertes par la simplification du coloris, par la production de ce que les historiens de l'art appellent des livres noirs, c'est-à-dire des manuscrits dont les feuilles préalablement teintées grâce à une teinture ferro permettaient ensuite de mettre en lumière les décorations qui y étaient peintes, notamment celles qui utilisaient de l'or ou de l'argent. Pour les dessins des lettres et le contour des figures. Donc vous voyez que ça fonctionne comme une sorte de négatif. La feuille n'est plus blanche mais noire et donc le dessin est réalisé par des couleurs claires qui vont se détacher par contraste sur le fond de la page noire. Pour peindre une miniature comme celle de la Vierge à l'Enfant attribuée à un suiveur de Willem Freeland, il s'agit de repenser la mise en espace puisque le fond noir limite grandement les possibilités d'échapper et de construction perspective cohérente. Ramenée au premier plan, la scène est ainsi construite par l'ajout de couleurs vives qui permettent aux figures d'avancer par contraste vers le spectateur, tandis que les touches d'or semblent ressortir au-dessus de la page, comme flottant au-dessus d'elle. L'image gagne ainsi une unité, tandis qu'elle perd évidemment en profondeur de champ et en détail. L'aspect nocturne qui se dégage d'un tel décor constitue aussi un effet recherché par un grand nombre de peintres néerlandais de l'époque. On a vu tout à l'heure, le maître dit bien sûr often ». Il s'agit de faire le choix de diversifier les sources d'éclairage, naturelles pour la pleine lune ou artificielles pour les bougies, les torches, les feux, pour créer des effets de clair obscur dramatique. Le thème des enfers est évidemment particulièrement apprécié de ces peintres. Dans sa représentation de la sirène, de la citerne tant douloureuse ou des, des, des démons cuisinent l'âme des pêcheurs, dans les visions du chevalier Tondal qu'on doit à David Aubert, Simon Marmion, que nous avons déjà rencontré à plusieurs reprises, met ainsi l'accent sur la lumière puissante et aveuglante issue des flammes du puits. Comme c'est le cas de toutes les peintures infernales peintes par Marmion, qui est un véritable spécialiste de ce sujet, cette miniature repose sur un contraste fort entre le fond d'un brun très sombre et les teintes écarlates qui décrivent avec une grande précision la flamme. Au cœur du feu, les contours jaunes représente à la fois les démons attirant les damnés dans la citerne et la structure chromatique de la flamme, dont la partie centrale est plus jaune que la périphérie, d'un rouge qui se dégrade progressivement vers le brun du fond. Pour ancrer cette flamme dans son environnement, Marmion veille également à ce qu'elle se reflète sur la robe de l'ange par des effets de petites hachures hein, qui correspondent un peu à la technique à l'époque, hachures orangées qui donc créent le sentiment du reflet de la flamme sur le vêtement de l'ange. Le maître d'Antoine Rollin, l'un des meilleurs suiveurs de Marmion, en fait de même dans sa représentation de Pluton et Proserpine, ou pour représenter l'enfer, ses paysages enflammés, ses fleuves glaciaux, on reconnaît l'Achéron, le Flégéton, le cocite et le Lété, ses dieux et ses monstres, avec notamment la figure du chien à trois têtes de Cerbère. Le peintre fait le choix de s'inspirer des solutions chromatiques des livres noirs. Vous voyez que le fond des bordures et d'une grande partie de la miniature est peint en noir afin de faire ressortir en clair-obscur les fleurs, les armes que l'on voit dans notre partie de la composition et les figures par des teintes claires et éclatantes. Ces choix compositionnels et chromatiques marqués du saut de la simplification Permettent par ailleurs à ces peintres de conférer une grande lisibilité didactique à leurs œuvres, s'inscrivant en cela dans un contexte particulièrement favorable. Avec le développement de l'imprimerie, dont le Saint-Empire puis les Pays-Bas constituent les deux premiers foyers principaux, un nombre de plus en plus important d'artistes sont impliqués dans la décoration de livres destinés aux laïcs pieux, qui lisent certes de plus en plus, mais pour lesquels l'image demeure la principale voie d'accès au savoir. En première place de ces ouvrages didactiques figure ce que les historiens ont appelé plus tard les premières Biblia Pauperum, Bible des pauvres, où il importe que les liens entre l'image et les différents textes convoqués soient les plus clairs possibles. La page servant d'ouverture à l'exemplaire le plus ancien de la Bible des pauvres, conservée à la Bibliothèque nationale de France, probablement imprimée dans les Pays-Bas, est ainsi articulée autour d'une sainte famille. La nature imarcessible de la Vierge étant comparée au caractère incombustible du buisson ardent, tandis que le choix de son époux terrestre, Joseph, est évoqué à travers la scène du bâton fleuri euh, d'Aaron, préfigurant le moment décrit dans le Protévangile de Jacques où une colombe sortit de la baguette de Joseph et s'est perchée sur sa tête. Sommaire sur le plan technique et stylistique, l'art des Bibles des pauvres, n'en demeure pas moins d'une grande importance. Il synthétise en effet la culture religieuse ordinaire, qui était celle des croyants du milieu du XVe siècle, en formalisant des lieux communs typologiques qui émaillent alors les sermons des clercs et des prêtres, comme c'est également le cas du speculum humanae salvationis, du miroir du salut humain. Il est d'ailleurs significatif que les images illustrant les pages de ces ouvrages prennent souvent la forme de petits polyptiques, dont la scène centrale est commentée par des inscriptions et des scènes périphériques, comme les frères Vendèques en qu on avait systématisé la pratique une quarantaine d'années plus tôt. Mais aussi que les graveurs collaborant au décor de ces ouvrages dévotionnels privilégient des images d'une grande lisibilité, grâce à une réduction drastique du nombre des figures, la suppression de tous les éléments inutiles de l'arrière-plan, et la forte simplification des contours et des détails. Ici, vous voyez hein, une, une scène, deux scènes typologiques, hein, avec donc la scène de la récolte de la manne dans le désert, qui est comparée au thème de l'Eucharistie lors de la sainte cène donc Ancien Testament, Nouveau Testament, la loi et la grâce. Nombre d'artistes actifs durant le deuxième tiers du XVe siècle, en particulier autour des premiers centres de production imprimés, montrent un grand intérêt pour les nouvelles images qui y sont créées quand ils ne collaborent pas eux-mêmes à leur fabrication. Le cas le plus singulier, en revanche, de reprise du contenu de ces ouvrages dévotionnels nous est fourni par le triptyque du buisson ardent. Par Nicolas Froment pour René d'Anjou, afin d'orner le maître-autel de la chapelle dépendant du couvent des Grands Carmes à Aix-en-Provence. Quand le retable est fermé, les volets extérieurs montrent de façon tout à fait traditionnelle l'Annonciation à Joachim en grisaille, évidemment inspirée de, de dérivations équiennes. Lorsqu'il est ouvert, il est articulé autour de la scène principale du buisson ardent, auquel est curieusement associée une Vierge à l'Enfant. Sur les volets sont représentés dans de riches intérieurs le donateur et sa seconde épouse, Jeanne de Laval, agenouillés en prière devant des pupitres ornés de leurs armes et sur lesquels est posée une Bible, avec une couronne dans le cas du roi. Ils sont tous les deux escortés par plusieurs saints renvoyant à l'histoire de leur royaume. Si de nombreuses lectures fort savantes ont été proposées de ce retable, son interprétation peut être clarifiée à partir du moment où sa matière est rapportée à celle de la Bible des pauvres, où, on l'a vu, la vie de la Vierge est déjà comparée aux épisodes du Buisson ardent et du bâton fleuri d'Aaron. Froment reprend littéralement la scène du Buisson ardent, avec notamment ici la figure, hein, la reprend quasi littéralement dans sa composition. Le Buisson ici, il remplace la figure du Christ, apparaissant dans le Buisson, par la figure de la Vierge à l'enfant. Il place Moïse dans la partie inférieure droite, en le représentant donc dans la même attitude, ébloui par la gloire de Dieu et se déchaussant à sa demande. On voit Nicolas Froment, d'origine néerlandaise, ici très clairement consulter un des premiers exemplaires de la Biblia pauperum. Il donne la même forme aux buissons et aux flammes, allant jusqu'à calquer l'aspect du petit chien ici sur celui de la Bible. Il le reprend vraiment fidèlement. Il le, il, le, il le déplace, hein, mais il le reprend finalement. Le thème fédérateur du retable est donc, comme celui de l'estample de la Bible, le mystère de l'incarnation. Tout comme, je cite, le buisson était embrasé mais ne se consumait pas, le corps de Marie a miraculeusement enfanté le Christ tout en demeurant vierge. Froment l'a d'ailleurs parfaitement compris, il associe à l'épisode du buisson à celui de l'eau le jaillie du rocher que vous voyez ici. Autre scène préfigurant l'avènement du Seigneur. Et elle surmonte la scène d'une inscription latine portée sur le cadre résumant le thème du retable en latin. Celui qui me trouve trouve la vie, il obtiendra la faveur du Seigneur. L'escargot inséré au premier plan est à l'avenant. On le voit à peine, mais faites-moi confiance, il est là, le petit escargot. Puisque l'escargot, vous le savez, est un symbole habituel de la virginité mariale, avec la dame à la licorne représentée dans le coin supérieur droit de la composition. Elle est ici. Hein. Je ne la vois pas parce que j'ai mon petit euh, parti de mon écran, mais dans mes souvenirs, elle est ici. Je vous renvoie hein, sur la question de l'escargot au fameux, te fameux texte de Daniel Arras sur la présence des escargots dans les annonciations italiennes. En janvier 1469, les Gantois durent de nouveau faire leur soumission au duc de Bourgogne, en renonçant à tous leurs privilèges. Le 15 janvier, à Bruxelles, eut lieu une nouvelle et impressionnante cérémonie d'humiliation, dans la grande salle du palais de karl Les murs étaient tendus de tapisseries représentant Alexandre, Hannibal et Lépreux. Le duc de Bourgogne siégeait sur un trône surmonté d'un dais de drap d'or. Art de la force, art de la simplicité. La majesté est donc aussi un art de la distance, pour le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, comme pour les artistes travaillant pour lui ou dans sa grande principauté. Par la distance, en effet, il s'agit d'abord d'instaurer une verticalité, une hiérarchie, mettant en valeur ce qui est représenté, au détriment pour ainsi dire de spectateurs, alors utilisé comme un faire-valoir. Chez les peintres néerlandais actifs durant le deuxième tiers du XVIe siècle, cette distance se traduit d'abord de façon littérale par un intérêt marqué pour les compositions panoramiques éloignant nos spectateurs des scènes représentées, ou par des compositions encombrées de plans emboîtés les uns dans les autres, qui donnent le sentiment de mettre le regard à l'écart. Ce qui ne veut pas dire que le regard ne soit pas intégré dans l'image, mais ce regard est un regard à distance. Évidemment, il y a quelques exceptions. L'a vu avec Van der Hoos, il me semble que cette tendance à créer des paysages et des mises à l'écart du regard s'inscrit dans cette pratique, dans cette question. De la, de la distance en lien avec la majesté. L'un des exemples les plus spectaculaires de cette mise à l'écart est une œuvre précoce de Hans Memling que j'ai citée tout à l'heure, qui est ces scènes de la Passion du Christ. Ce tableau est peint à l'occasion du mariage de Tommaso Portinari et de Maria Maddalena Baroncelli vers 1470. Ce tableau a été placé dans l'église familiale de Santa Maria Nuova à Florence, peut-être après avoir été instant installé dans l'église paroissiale de Saint-Jacques que Portinari fréquentait à Bruges. Cette hypothèse expliquerait le grand succès de cette composition auprès des peintres néerlandais de l'époque et en particulier auprès du maître des scènes de la Passion de Bruges. De petite dimension, ce retable réunit au sein d'une seule et même représentation de Jérusalem, de ses remparts et de ses paysages environnants 21 scènes représentant différents moments de la Passion du Christ selon un modèle que Memling réutilisera dans un autre tableau similaire. Représentant 25 épisodes de la vie du Christ. Cette composition fragmentée, allant jusqu'au bout de la, des logiques de la narration simultanée cette fois-ci, n'est pas originale. On en a vu des traces dans les miniatures du maître de Mancel ou du jeune Simon Marmion, mais aussi dans les grands polyptiques en bois fort populaires dans les Pays-Bas du XIVe et du, 16e, du 14e au XVIe siècle. Elle frappe en revanche par la distance paradoxale qu'elle instaure. D'une part, je viens de le montrer, les deux donateurs représentés dans les coins inférieurs de l'image sont au plus près de l'action, comme immergés physiquement dans la passion du Christ. On voit comment Tommaso Portinari est, euh, je dirais, euh, aux premières loges pour assister au baiser de Judas, tandis que son épouse est la principale spectatrice du portement de croix. D'autre part, et par un effet de contraste, le spectateur occupe une position de surplomb qui le situe au-dessus, mais aussi en quelque sorte en dehors de l'histoire, lui permettant certes de jouir d'une vision synthétique, mais l'empêchant de ce fait d'être de plein pied dans l'action. Chez le maître viennois de Marie de Bourgogne, un confrère gantois de Hans Memling, spécialisé dans le lumineux, la mise à distance du spectateur prend plutôt la forme d'un encombrement habile et partiel de l'espace perspective. Dans la plus célèbre de ses miniatures, le peintre a représenté une dame coiffée d'un hénin, lisant un livre d'heures devant une fenêtre dont les deux battants sont ouverts vers le cœur d'une grande église. Vêtue d'une robe de velours doré dont les ornements répondent en écho aux coussins de brocart posés près d'elle, cette dame, accompagnée d'un petit chien, a ouvert son livre à une page dont nous ne reconnaissons que la lettrine O. Sur le rebord de la fenêtre sont disposées l'extrémité du voile translucide tombant du Hénin, mais aussi une chaîne en or portant un pendentif composé d'un rubis entouré de quatre perles, de deux œillets rouges et d'un vase de cristal contenant de grands iris bleus. La scène ayant lieu dans l'église semble traduire les mots de la prière. Notre-Dame, très semblable à la première, y est représentée en prière devant une Vierge à trônant devant le retable en bois doré qui orne le maître-autel la vierge est accompagnée de quatre anges tenant des candélabres tandis que la dame est suivie de trois suivantes et d'un homme vêtu de rouge agitant un encensoir dans le coin inférieur droit si nous ne sommes pas certains de l'identité des deux dames ici représentées pour autant qu'elles soient deux personnes différentes s'agirait-il de marguerite d'York et de marie de bourgogne ou de marie de bourgogne face à son livre d'heures et aux pieds de la vierge accompagnée de son époux nous n'en sommes, sommes pas encore certains aujourd'hui il est certain en revanche que l'image cherche à mettre en abîme la prière représentée du point de vue de son action au premier plan et de ses effets au second plan en jouant comme memling d'une mise, mise à distance paradoxale de la lectrice à travers le motif de la fenêtre ouverte qui permet de voir tout en marquant une frontière dans l'image. Cette fenêtre est radicalement différente de celle que Leon Battista Alberti théori théorise dans son Depictura. Je vous rappelle qu'Alberti décrit le cadre du tableau comme, je cite, une fenêtre ouverte à partir de laquelle l'histoire représentée pourra être considérée. Ici, il ne s'agit pas en effet de regarder l'histoire à partir du cadre, en en faisant une totalité close et finie mais de penser l'image comme imbriquée dans le réel physique et spirituel de la lectrice. L'image de la Vierge à l'enfant devant laquelle elle prie n'a de sens que parce qu'elle fait partie d'une image plus grande qui correspond à la prière dont elle est l'objet et qui elle-même est inscrite dans l'économie dévotionnelle du livre de prière sur lequel, dans lequel cette image est inscrite. Il y a donc bien ici la recherche d'une continuité entre l'espace réel et l'espace fictif, qui s'il prend appui sur des modèles et des processus des plus anciens, se raffine ainsi en une image qui virtuellement se développe en dehors des frontières physiques qui sont les siennes et constitue donc un fragment prélevé par l'artiste dans le monde. Dans les œuvres qui viennent d'être évoquées, la construction spatiale qui creuse systématiquement la profondeur à travers des procédés de la perspective géométrique ou aérienne dans la continuité des recherches de Jos van Wassenhove, que j'évoquais tout à l'heure, et pour ainsi dire contrarié par un certain nombre de jeux de surface qui rappellent au spectateur ou au lecteur ce qui le sépare en réalité de la fiction qu'il contemple. Il est ainsi significatif de constater que quelques années après avoir peint les scènes de la Passion du Christ, un retable marqué par l'espace continu tridimensionnel créé par l'architecture et le paysage de Jérusalem, Hans Memling a peint à contrario un Christ de l'heure dans les bras de la Vierge, spatialement ambigu. Il s'agit de ce qu'on appelle une imago pietatis, l'image de piété qui doit susciter ou encourager la piété du dévot et entretenir donc avec lui le rapport le plus direct, mais aussi le plus charnel possible. Pour cela, Memling donne le sentiment que le corps du Christ est présent devant nous, comme projeté vers l'avant par la forme de la croix et la présence de la Vierge éplorée au deuxième plan, et par le modelé du linceul dont les formes sont subtilement modelées par de fines et pâles hachures bleues et grises. Vous remarquerez au passage, si vous avez une bonne image sur votre écran, qu'on a encore une fois une couche picturale très fine, qui laisse vraiment entrevoir les différentes couches par effet de transparence. On est vraiment dans une, un travail qui repose sur une certaine forme de rapidité d'exécution. Les détails minutieux peints par Memling, comme les larmes coulant sur les joues de la Vierge, auxquelles répondent les gouttes de sang sur le front, le long du cou ou sur le flanc droit du Christ, les cheveux ou la barbe de Jésus, ou encore l'ouverture béante de ses plaies, renforcent encore l'impression que nous pourrions, que nous devrions peut-être, à l'image de Saint Thomas, toucher le corps du Christ pour expérimenter ses souffrances, mais aussi témoigner de son sacrifice. Mais l'œuvre de Memling n'est pas illusionniste. N'est pas a fortiori réaliste, puisque le Christ y apparaît aussi sur un fond d'or qui accentue, qui accentue sa bidimensionnalité abstraite dont témoignent les Arma Christi entourant le corps du Rédempteur. Ces différentes images qui traduisent, qui résument, qui synthétisent le martyr du Christ. La colonne autour de laquelle ont été attachés le fouet, le roseau et les cordes l'éponge imbibée de vinaigre attachée à une branche d'hysope la lance du centurion, la croix, le marteau et les trois clous. Par de petites miniatures, pour ainsi dire, Memling fait également référence aux témoins, voire aux acteurs de la Passion, Saint-Pierre et la servante de Caïphe, Judas, Anne et Caïphe, les prêtres juifs, Ponce Pilate, mais encore aux gestes par lesquels le corps du Christ a été martyrisé. Une main ouverte pour signifier le grand prêtre qui a giflé le Christ, un point fermé, ou, un, ou pour, pour, dire, pour dire les coups que le corps du Christ a reçus, une main faisant le signe obscène de la figue, ou encore une main ayant arraché quelques cheveux à Jésus, là encore pour renvoyer au, à l'épisode de la flagellation et de l'humiliation du Christ. Pour les peintres que je viens de citer, la distance ambiguë qu'il s'agit d'instaurer entre l'image et le spectateur, oscillant entre la proximité matérielle presque tactile et la distance presque abstraite, s'inscrit dans une double stratégie que nous avons déjà évoquée. Donner du poids et de la présence au sujet représenté, mais leur conférer aussi une forme de simplicité didactique. En insistant sur les effets de surface, il s'agit en, en effet de donner à l'image la plus grande lisibilité, visibilité possible. À l'image d'un texte se livrant tel quel à la surface d'une page et s'offrant au déchiffrement le plus immédiat. Dans ce domaine, l'art de Dirk Bautz, par la grande rigueur de sa construction spatiale et la retenue de son matériel expressif, est sans doute exemplaire. Dans sa Justice d'Oton 3, destinée à célébrer la justice des hommes, dont il reçoit la commande des autorités municipales de Louvain, en parallèle du triptyque du jugement dernier que je vous ai montré tout à l'heure à travers les deux volets qui en ont été conservés, Bout se refuse à tout pathos, alors même que les deux scènes s'y prêteraient. Dans l'exécution du comte innocent, à gauche, le visage de la comtesse semble à peine troublé par la scène, recueillant avec un calme stoïque la tête de son époux. Et dans l'épreuve par le fer brûlant, c'est sans la moindre émotion que l'épouse bafouée tient la barre de fer brûlant dans ses mains alors que le chien d'Oton III ne daigne même pas se, se réveiller. Cette retenue est toutefois compensée par l'importance que le peintre accorde au premier plan, où comme accompagné par une ou deux figures poussoires, le spectateur est pour ainsi dire obligé de voir ce que le peintre veut lui montrer. La scène horrible, d'un coup tranché, dont les flots de sang se répandent au premier plan et coulent dans notre direction, est le moment fascinant où la comtesse, armée de la tête de son époux, serre sans maudire la barre chauffée à blanc. Cette mise à distance du spectateur s'est traduite également, vous le voyez, par des choix expressifs, qui prolongeant les options artistiques des maîtres néerlandais du XVe siècle et relativisant les avancées de Rory van der Weyden, font valoir également une certaine retenue dans la traduction visuelle des passions. Cette neutralisation expressive est particulièrement frappante quand on peut la comparer aux œuvres des peintres italiens contemporains, comme cela peut être le cas par exemple du retable de la communion des apôtres. Ce tableau est confié à Van Vassenhoeve, euh, qui se trouvait à l'époque euh, en Italie, à Urbain, après le retrait successif de trois peintres italiens, Fra Carnavelle, Paolo Uccello et Piero della Francesca. Van Vassenhove accepte pour sa part de relever le défi d'un retable au sein duquel il lui faut tout à la fois tenir compte de la prédelle déjà existante achevée par Uccello et affirmer sa manière personnelle dans le retable qu'il peint. Il est faux en effet de dire que les deux œuvres, Uccello et Van Vassenhove, sont formellement aux antipodes l'une de l'autre. Si von ne maîtrise pas les règles de la perspective géométrique avec autant de rigueur que son confrère Tosco, il cherche tout de même à soigner la construction spatiale de sa scène, située comme il se doit devant le maître-autel d'une chapelle romane. D'autres éléments font probablement référence à la prédelle du comme l'alliage contrasté des teintes noires et rouges, les colonnes écarlates du cœur qui renvoient aux balustres feintes du peintre italien, ou encore les vues de profil des deux apôtres agenouillés plus près du Christ, étrange à voir et même anatomiquement incorrect, puisque le reste de leur corps est représenté de trois quarts, mais en résonance avec certaines des figures de la prédelle Les ressemblances s'arrêtent toutefois là, car il importe pour Van Vassenhove, qui se fera appeler en Italie « juste de gants », d'affirmer le plus clairement possible l'identité néerlandaise de sa manière. Pour cela, il s'inspire directement des solutions formelles de Dirk Bautz, auxquelles il emprunte la physionomie presque impassible des figures, fort différente du dynamisme du tableau d'Uccello, et les drapés brisés qui animent les robes des anges. Les deux œuvres de Bautz euh, Baut semblent d'ailleurs particulièrement avoir retenu l'attention de Wasson-Roveux. La scène que l'on a vue la semaine dernière, pour la précision illusionniste avec laquelle sont représentés les objets posés sur la table, et le retable de saint me rappelez-vous, dont la figure de l'empereur « Maximien Hercule » est directement repris ici, paraphrasé dans le personnage placé derrière la table, la main gauche posée sur un bâton, dans donc la communion des apôtres. Cette mise à distance expressive du spectateur est également prégnante dans le champ du portrait, qui bénéficie alors des nouvelles idées introduites par Petrus Christus, comme le montre son célèbre portrait d'une jeune fille. Par son cadrage à mi-corps et son visage représenté de trois quarts, ce portrait s'inscrit pleinement, on le voit, dans les traditions néerlandaises du genre. L'intégration d'un espace tridimensionnel, constitué d'un mur lambrissé sur lequel se projette l'ombre du modèle, et le même et même de l'inscrire dans un véritable récit visuel, crée l'effet le, de enfin, offre la possibilité de renforcer le sentiment de présence physique du modèle. Et cela sans faire appel aux ressources expressives des mains, par exemple. Pour cela, le peintre représente le visage de trois quarts, mais tourne le regard de la jeune femme vers le spectateur. Ce procédé n'est pas tout à fait inédit, comme on l'a parfois, parfois écrit, hein, mais il est alors encore suffisamment rare dans l'art néerlandais pour susciter une forme de surprise et donner au spectateur l'impression qu'il existe aux yeux de la jeune fille, comme si le spectateur interrompait cette jeune fille dans une tâche ou une réflexion, qu'elle tourne donc ce regard vers nous. Cet effet est renforcé par la façon dont Christus focalise l'attention de ce regard le dessin est coloré. Les yeux sont situés au centre d'un ovale repris en écho par la forme oblongue de la coiffe et par la série des trois cercles concentriques du collier d'or bruni. Par ailleurs, la gamme chromatique restreinte et l'éclairage brutal, presque en clair-obscur, permet au visage de se détacher fortement de son fond et de happer le regard du spectateur comme hypnotisé. À l'issue de la bataille de Nancy, le 5 janvier 1477, le corps méconnaissable de Charles le Téméraire est retrouvé près d'un étang. Dans l'histoire politique des anciens Pays-Bas, cette mort brutale et sauvage, on dit que le corps de Charles le Téméraire a été dépecé par des loups affamés, est un véritable choc qui met un terme presque immédiat à la grande principauté à laquelle avaient œuvré avant lui les ducs de Bourgogne. C'en est la fin des rêves du téméraire, qui, malgré ses efforts, à cause d'eux, diraient certains, a précipité la chute d'un État qu'il avait souhaité placer au cœur et au centre des nations européennes. Mais c'est aussi un tournant dans l'histoire artistique des Pays-Bas, qui, durant le dernier tiers du XVe et le début du XVIe siècle, ne cessera de rechercher dans le passé lointain et récent les moyens d'assurer sa légitimité. Et ce point sera le sujet du cours de la semaine prochaine. thank you